Bonjour, bonsoir tout le monde. Comment nous y est? C'est un plaisir, comme d'habitude, pour m'avec nous, pour me porter information pour nous. Jeudi, c'est dimanche 16 avril 2023. Déjà, nous avons souhaité passer un très bon dimanche et une très bonne semaine d'informations en compagnie de nous, puisque nous sommes là pour nous informer de tout ce qui a passé en dans la République. Ou sous Taxe 609, tout haïtien connecté. Et si vous pouvez abonner, je vous invite à abonner, activer la cloche de notification pour être connecté avec nous, puisque là, vous avez besoin de bons gens d'information. Mes amis, déjà, je vous demande une excuse. Parce que là, je dis en émission, sur émission, et tout calé lié, parce que il y a quelques bagages qui ont passé en deux dans la République. C'est parce que nous, qu'on a béré les gens, nous parler, et pour des fois, pour nous paraître trop arrogant, trop vulgaire, etc. Mais je dis en là, nous parlons de bagages, les gens, ils y a. Hier samedi, Ariel Henry débarqué, il a festoyé, gouvernement débarqué. Trophée Coupe du monde féminin, il était de passage en Haïti. Pour nèg yo recevoir trophée, c'est gros fête qui fait. C'est belle cérémonie, gros cérémonie qui fait. Alors que yo l'autre bon, sélection U20 perdu un match pas forfait parce que gen joueur qui pas gen passeport, qui pas ka joindre passeport yo. Pour y aller représenter Haïti, pour y aller jouer un match. À qui sentiment pour Ariel faire figure dit? À qui sentiment pour ministre sport faire figure dit? Pour différents représentants non fédération haïtienne football faire figure dit? Pour y des questions paquet l'argent sous prétexte que ça pas fait souvent, ça fait rarement pour Haïti à le représenter, pour joueur, pour sélection à le représenter Haïti dans le football, etc., dans la Coupe du Monde. Et puis, pour gagner joueur dans la même sélection haïtienne de football, dans U21, qui est obligé, parce que l'État haïtien n'a pas délivré au passeport pour aller jouer, pour aller représenter le pays, qui est obligé de perdre le match. Et puis, n'a parlé de autorité, n'a parlé de dirigeant, n'a parlé de respect, n'a parlé de valeur de notre pays. Bon, qui va aller autorité ça? Qui va aller n'exagérer? Qui va aller n'exagérer? Donc ça son parti de ça nèg yo fait qui révolte nous. Mais bagay lan pou fini. Premier ministre Ariel Henry pendant semaine là pour Ariel pour gouvernement. Yo font adresse à la nation côté que yo informé nous et gagne un programme apaisement social côté que et gagne plusieurs milliards de goudes qui pral décaisser pour aider moun ki pi pauvre yo pour aider moun ki pi défavorisé yo faire face avec problème grand gros problème misère etc. Oui, nous avons une situation exceptionnelle. Là dans moment, c'est près de 3,5 millions haïtiens qui dans extrême pauvreté, qui dans grand goût. Moun sa yo, même espere yo pa espere jwenn asyèt manje par jour. Ariel Henry te vin avec information sa, te fait déclaration sa. Oui, c'est une bonne nouvelle parce que nan moment là, gen moun ki besoin manje. Programme apaisement social la, li bon. Mais est-ce que li ta dwe priorité pou voir Ariel Henry? Est-ce que l'État doit prioriser le gouvernement Ariel Henry non moment là? Est-ce que pas ta supposé depuis l'Ariel monté dans tes pays, pas ta supposé en dedans ministère affaires sociales et travail, en dedans ministère agriculture, en dedans ministère des finances, pas ta supposé gon coordination, pas ta supposé gon travail qu'a fait en synergie pour garder comment yo ka aider moun yo à long terme? Tendez oui. Gayon projet que président Jovenel Moïse t'est en main. Barrage la tannerie qui passait près de 40 ans, li pas exploité, 40 ans té ap séché, 40 ans paysan pa ka planté, 40 ans moun yo mal passé. Eh bien le président Jovenel Moïse t'est prend décision pour réhabiliter barrage la tannerie. Opposition politique là pas jamais même yon fois pour yo vina pour yo soulever ça pour yo moins montrer militant yo gen ti travail ka fait gen ti souke quoi ka fait dans intérêt paysan etc. Parce que à l'époque c'était bataille politique, c'était retirer corps pour mettre pam, c'était affrontement politique qui t'a fait, c'était coup de bas qui t'a bail, c'était coup de poing dans dos qui t'a bail etc. Mais journée jodi hein, comme nous finissons par comprendre, je nous calé, nous finissons par admettre
opposition politique qui te gagne, son paquet prostituée politique, yote, son paquet femme garçon qui t'a bataille pour une proposition, pour une proposition, pour une fonction, yote, et je vous dis, comme c'est yo qui sous table cap négocier, comme c'est yo qui sous table cap profiter, cap couper gâteau, cap trancher, cap jouir, cap réjouir, eh bien c'est occasion pour nous poser monsieur dame ça une question. Pour qui ça malgré yo sous pouvoir, pour qui ça malgré yo gen contrôle pouvoir, yo gen contrôle caisse, yo gen contrôle l'argent l'état, j'ai yo te souhaité, j'ai yo ta bataille, j'ai yo te lèl. Paysan yo pa ka jwenn satisfaction. Moun ki pi pov yo pa ka jwenn satisfaction. Ariel presque pral genye 2 ans nan te peyi an, depi le Ariel monte ya, tout promesse ke prostitue politik parey li yo ta fè, jounen jodi a yo nan pouvoir yo pa ka realize. Men on kwè la vie paysan yo ta pral chanje? On kwè la vie malere malere yo ta pral chanje? On kwè peyi an ta pral gen stabilite? Ou quoi pays a pral gen sécurité? Et pourtant, jouk nan moment n'a parlé à la, gen paysan se kodi yo mari ventyo pou ki sa, parce que paysan yo non situation difficile. À cause la pluie qui pa tombe, à cause sécheresse qui genye, bet paysan yo mouri pa de pa 3, pa 4, pa 5. L'État pa pren aucune disposition, ministère agriculture pa pren aucune disposition. Pou yo ta gade comment yo te ka alimenté différents barrages qui te fait, différents travail qui te commencé fait, pou yo ta fait glorive nan canal yo, pou yo ta fait glorive nan capteur d'irrigation yo, pou al irriguer te paysan yo, pou permettre plantation fait, pou permettre paysan yo planter, pou permettre paysan yo joindre possibilité pou yo mettre manger nan bol yo. Comme li pi facile pour tout pouvoir, pour tout gouvernement transition, tout pouvoir transition qui passe, pour ces apaisements sociaux, yo bay, mais c'est pas rien à long terme, c'est pas rien de consistant, y a réglé, y a géré, vrai. Nous pral gade qui ça véritablement toute l'argent ça qui a débloqué en dedans ministère de l'agriculture, toute l'argent ça qui a débloqué par bon côté fonds monétaire international, par bon côté BID. Comment l'argent ça si tout bon moun sa yo ki sou pouvoir paquet prostitué politique sa yo ki kembe peyi a nan gòj nan kou ki mal saucisse yo avec un paquet grand nèg nan secteur privé a ki plus kwè nan importer produit fè produit soti l'autre bord bo, vin rentrer en Haïti et puis taxer moun ka pa achete yo bien cher, taxer consommateur yo bien cher. Si vraiment l'état haïtien te choisi respecter principe, te choisi pour faire tout le monde couper en bas principe, nous pral wè ki sa te ka fait dans pays en vraiment. Ki quantité bagay paysan yo te ka bénéficié, ki quantité bagay chaque grain haïtien te ka bénéficié, parce que ou pral découvrir avec seulement 2 grains produits, avec seulement 2 grains produits, gen des séries de bagay n'a consommé chaque jour, matin, midi, soir dans la République. Qui quantité bagay que l'État te ka investi si te bon contrôle vraiment qui t'a fait? Qui t'a fait ou? Sou activité paysan yon mené, sou activité secteur privé yon mené. Ou pral gade yon? Je dis à nous qui nous dans la commune Katimore, dans la localité la Tanui. Ou même kap gade là, ou capable déjà ouè qui kote ni. Nous exactement dans barrage la Tanui. Yon barrage qui vient plus de 40 ans depuis l'abandonné. Mais sous gouvernance Jovenel Moïse là, il réhabilite canal ça qui permet en pile paysan jeune l'eau pour l'usé jardin et en pile l'eau pour jeune l'eau pour activité. Ensemble, nous pouvons découvrir bien de l'eau en quantité, bien de l'eau pour jardin paysan capable d'user sans problème, nous pouvons jouer de l'eau pour faire n'importe activité. Et zone là tout touriste à venir regarder, parce que c'est vraiment un bel travail. Et je pense que nous avons un pays, c'est un pays qui n'a pas gagné, mais nous manquons de monde pour qui prendre des décisions pour payer ça capable bien marcher. Bonne décision pour payer à bien marcher, c'est ça nous besoin. Ça, pas de doute la donne. Et nous avons gardé l'autre bois, la gâte l'activité qui a fait tout, nous avons responsable.
pour entrer dans la ville, elle construit sans problème. Si mon jeune de voile derrière, bel bagage, bel travail. Je pense que les paysans sont contents parce que nos hommes, d'après plusieurs témoignages, le fait de connaître que nous avons fait des problèmes dans nos zones, il n'y a pas de cage de pour jamais user. Et je dis assez, on l'a témoignage, les paysans sont vraiment, vraiment contents. Et le président Jovenel vient là, regarder le problème qui était bien, plus de 40 ans, le barrage n'a pas fonctionné. Donc, il a réhabilité le bouillon, il y a un jeune de l'authentique. C'est un bel travail. C'est le genre de travail que nous avons besoin pour qu'il fasse dans tout le pays, parce que le pays a des côtés et pour qu'il travaille pour qu'il fasse, pour les paysans eux-mêmes jouer de l'eau pour fonctionner. Le travail. Je pense que quand nous avons pas avancé, pour faire nous voir notre belle bagarre comme ce qui vient d'abord ici. Ça t'a vous son cascade, lui. Carré, une belle cascade qui vient là. Comment faire mieux? Belle bagaille. Ça belle. Ça belle. Oui, tu as supposé que tu as choisi la route. Oui, pays, ça va plein encore. Ça va pas plein, nos projets pareils. Je pense que ce qui est passé avant juste d'être monsieur, il faut payer un peu de tout. Comment va-t-il, monsieur Gilles, qui voit ça? Ça a intéressé. L'offre, ça a intéressé. La population joue dans ce bar quand même. On ne veut pas faire. Oui, c'est ça qui est important qui manque. C'est moi qui manque. C'est vraiment important que c'est où la situation est finie. Et pas seulement, nous n'avons pas seulement besoin de l'eau, non. Il vit non lié historique, oui. Moun qui vient là, vient garder, vient passer. Et artiste qui vient là, vient shooter vidéo, tout. Son bel espace. Et pas seulement ça. Espace même romantique, même. On a qui doit venir là avec ménage ou venir là. Quand tu chutes là, on va exploiter la zone. C'est bien, ouais, si moun yon la cap ben en l'eau. C'est bien. Vous comprenez? Après, on peut l'activité qu'a fait là. Bon, il y a ça qui a été essayé pour les paysans de moteur, pour pomper de l'eau dans le jardin. Ça n'est pas génial. Ça n'est pas génial. Mais c'est un bel bagage. Un bel bagage. Bon, c'est ça que l'État soit continué. Si on président te fait ça, et puis il vient camper, il fait 40 ans camper. Et tout ça qui passe avant là, avant Jovenel. Il n'y a pas de j'aime moi ça. Ça pas. Il y a un peu de fait là pour. Comme si vous améliorez là. Oui, venez faire porter dans un nom. Et magistrat, je ne sais pas si vous avez supposé, ça t'a supposé une préoccupation. Vous venez nettoyer les zones parce que nous remarquons des petits fatras. Vous comprenez? Et vous avez supposé venir dans un nom pour nettoyer, retirer les déchets, comme ce qui gagne. Seulement ça. Les zones sont vraiment normales. Bon, c'est ça que nous constatons. Nous-mêmes, avec cette équipe-là, nous constatons. Et réhabilité, le président Jovenel réhabilité canal là, c'est son bel travail. Et je pense que après 40 ans même, nos hommes ont réjoui. Ils ont réjoui paysans, ils sont contents. Jardin ont osé. Je pense que le bloc vient contrôler tout. Le bloc descend parce que même bétail, le pape prend bétail, n'importe qui, n'importe comment vous, paysans ont perdu bétail. Par rapport à le bloc qui coule, quand il y a plusieurs canaux, ben, nous pouvons suivre avec nous déjà. Canalio, de la déver, et canal et de la déverse, il y a plusieurs canaux à jouer tout jardin. Nous avons des témoignages, les paysans sont contents de travailler ça. Donc, nous-mêmes, nous là pour faire vivre plusieurs autres documentaires encore. Voilà, les gens nous sont gardés à là, son interview que. On interview que l'équipe, moi, je vois l'équipe, moi, réaliser parce que. Et bouille qui fait petit, c'est pour nous le poser. Des fois, je ne pas déplacer, m'obliger à voir les soldats pour continuer le travail. En pile fois, je suis toujours tendu à parler de barrage La Tannerie. De série de bagailles que le président Jovenel Moïse était tant bien fait. Et par la suite, depuis après l'assassinat, tout le bagaille campé. Et puis, paysans ont payé pour te casser. Bête paysans ont payé pour te casser. Donc, je profite de remercier l'équipe Solidza, Big John, merci pour votre travail. Soit une zone qui a pile poussière. Mais malgré ça, monsieur, yo décidé, yo pralé, faut que travail en fait. Toute équipe là qui bien solide, qui te fait déplacement
pour permettre que ou même ou bénéficier interview ça. Moi personnellement, le m'a regardé et témoignage monsieur yo, yo femme connaît que son gros travail qui réalisé. Journée jodi an là, gen de l'eau dans barrage Tatani, de l'eau captée depuis près de 40 ans et de cela pas gen canalisation, canaux et irrigation yo pas fonctionnel, pas rien, son terre qui était à terre, l'état établi et moun yo, bête paysan yo t'a mouri, les sécheresses moun yo t'a abandonné. Et puis boum, projet canaux irrigation qui coûtait un paquet l'argent, qui coûtait l'état en pile l'argent. Et le président Jovenel Moïse mouri. Si nèg sa ou te vle montrer paysan, ou te vle montrer haïtien que yo même yo te vin yo te pi bon que Jovenel, que yo ta vin regle mon bagay. Au moins c'est ça Jovenel te quitté yo pou yo te continuer. C'est pas jamais nèg yo krasé qu'est-ce l'état, c'est pas bagay ça pou yo te vin réaliser. Peut-être là ça population te ka gon ti sympathie pou nèg yo pas réaliser en merde. Nèg yo pas réaliser rien et journée jodi an là. Moi-même constant ces bagages m'a regardé des séries de monde, des séries de paysans qui gagnent terre vaste qui te ca produit, qui te ca faire toute qualité manger, qui te ca planter toute qualité bagaille. Oh, l'état investi, l'état campé avec yo. Journée jodi an la sécheresse dans des grand monde yo, dans tout pays qu'on gagne période sécheresse. Tout le monde qui a planté, tout le paysan qui a gagné l'heure, la pluie tombe, gagné l'heure, la pluie pas tombe, sécheresse tout. Mais dans le pays côté qui gagne l'État, c'est pour ça qu'il y a un canal d'irrigation pour permettre que la période sécheresse arrive. L'État a gagné temps, créer toutes conditions qui sont adéquates pour jouer, pour permettre à ce que l'eau arrive dans le jardin de l'eau, l'eau arrive de l'eau passée, de l'eau arrosée terre. Et puis ça va affecter les paysans, ça va affecter la production, ça va affecter les plantations, ça va affecter les bêtes, parce que a toujours des possibilités, a toujours des moyens pour paysans yo récolter, a toujours des moyens pour bagay yo grandir, pour plantation yo grandir, pour pas perdre récolte. Mais je dis à qui ça nous est. Nèg sa yo ki nan l'état yo créé conditions même le l'argent taxe nous l'argent pour nous dépenser mais c'est corré c'est en vain et c'est une des raisons l'homme rete me senti m'ta prendre nèg sa yo m'ta chak parce que nèg sa yo son véritable poison yoyé son véritable poison yoyé pour paysan pour société pour paysan yo pour récolte yo pour développement paysan pour stabilité paysan parce que j'en dis nous nèg sa yo c'est deux véritables prostituées politiques côté bagay la bon pour yo c'est là yo ye côté gen rendement c'est là yo ye côté yo ka satisfait tête yo c'est là yo ye son question de satisfaction personnelle son question de pam pi bon son question a qui te me faire l'argent aller son question comme ça son bagay comme ça ka régler et puis nèg sa yo y a vinn faire nos promesses nèg sa yo y a vinn faire nous comprendre que c'est yo ka résoudre les problèmes pays c'est yo ka garantir sécurité c'est yo ka garantir stabilité non yo fait trop moun mal je ne jodi an là près de 20 milliards que Ariel décidé FMI décidé yo pral décaisser pour programme apaisement social oui à court terme faut bon programme d'apaisement social faut gagne un projet qui mette campé pour permettre que moun yo survive mais et à long terme. Tandem nye ou samedi an, programme apaisement social Ariel Henry an. Li gen place, oui, li gen place parce que a coûté an moun yo grand goût, a coûté an moun yo nan besoin. Et programme nan son programme pour 6 mois. Et après 6 mois. Chaque mois yon bon ti sa duri après 6 mois. Après 6 mois, pral bon lot 20 millions, mais 40 millions pral débloquer pour nèg yo gagote encore. C'est ça ou le nou comprenne. Faut nou commence gen moun ki pense sur le long terme. 6 mois yo bo sa diri mais nan un an et demi faut ou même ou ka nan ou faut que l'état ka créer condition ou même pendant 6 mois t'a manger diri yo ba ou diri importé hein et bien nan un an nan 2 ans ou ka non seulement récolter diri pour manger la caillou mais pour vendre tout là c'est moun ka penser là c'est l'état éclairé là c'est l'état quoi peuple là c'est l'état qui ouais et collectivité a. Mais est-ce que modèle moun sa yo nou gen yo nan pouvoir Ariel Henry? Est-ce que modèle moun sa yo nou gen yo an dedans SDP a? Est-ce que modèle moun sa yo nou gen yo nan allié SDP a? Eh bien, son jeune sot di nou tout à l'heure, gagne deux produits et c'est pas seulement deux produits sa yo qui transversal, deux produits sa yo nan question alimentaire, nan question faire manger, nan question manger en Haïti,
ou presque joindre dans toute bagaille. Maï, pitimi. Ou manger cornflex maï, ou manger farine maï, ou manger papita, ou manger sous toute forme. Pitimi, gon quantité produit ou à consommer là, tant que par exemple on prend Malta ou joindre là-dedans. Ou boire Malta tout temps, ou joindre là-dedans. Et produit ça yo. Véritablement, si nous avons l'état de penser, si nous avons un ministre de l'agriculture qui t'a réfléchi, un ministre de l'agriculture qui vraiment a intérêt pays, qui t'a pensé pays, qui s'est battu et n'exagère, qui a plaidé importer produits, faire un paquet de produits pour un paquet de vieux bagages entre sous marché, ou t'as pris, t'as vu avec des politiques publiques pour développer l'agriculture, non? Ou t'as vu avec des politiques publiques sous question agro-industrie. Et puis, yo t'ap bay plus moun travail, yo t'ap créé plus travail, et puis, sortant de nous te ka parler de relance agriculture. M'pral fè nou tande, yon interview qui te réalisé avec professeur Gaël Pressoir. Gaël Pressoir, lycédoyen, faculté agronomie dans l'université Kiskeya. Pendant semaine qui se passe, yon t'ap fè plaidoyer pour relance agriculture, yon t'ap fè plaidoyer pour développement agriculture avec agro-industrie. Et journée aujourd'hui, ou pral comprendre alors fin tande interview, ou pral comprendre que même ou même qui la caillou, qui pral fin manger maï, gen des trois graines, ou pral ou la gèl nan tête et puis li germe, li levé, ou ka casser deux trois têtes maï, deux trois bay maï et puis maï. Ou di tè tout bon, si m'te gon on carotte ou bien si m'te gon 10 centième tête, m'te gagné moun ki t'a ki m'te gagné ou l'état qui t'est paré pour prêt pour l'investir. Nde bon l'état qui paraît pour supporter papa pitom ta fait n'ta fait plantation maïs papa pitom ta investi dans agriculture papa pitom n'ta planté tomate gros paquet moun nan diaspora qui acheté terre dans ville de province terre ça rete là bon kounya vinn bon nouveau bay une bon nouvelle mode des chouquet ça yo c'est aller voler terre moun depuis terre a li rete là 2-3 jours pa wè moun monte sou yo pa wè gè activité gè kay gè construction ka fèt sou li des chouquet gè tan vini l pran tèl et des chouquet yo alè ki lè yo tellement bien amé yo tellement gen bois derrière banan yo son association malfaiteur qui en dedans pouvoir l'état qui en dedans ministère de la justice qui en dedans tribunal qui en dedans parquet yo ki sa ka fè lè des chouquet vini sou toi avec gros am li pran so ka fò ka bataille ou ka bataille avec yo ou ko y a tout yo met sou terre encore. Imagine ou yete ça ou di bon OK m'a planté maïs sous li m'a planté pitimi sous li m'a planté banane sous li bon banane nan pou kote pal oui banane nan pou tête pal tellement gen bagay banane ka fè sous di ou transformer banane nan sou ta di que ou vin avec usine agro industrielle en Haïti là pour transformer produit ça tellement gen bagay sin te ka fè tellement gen bagay ti paysan te ka fè paysan te ka fè. Et c'est là pour le comprendre les Abdou, pays à trois riches pour le pauvre, là, et pas menti. C'est pas menti. Et chiffre tellement flagrant. Dans la question agriculture seulement, il y a une énorme différence entre Haïti là, pays voisin, République Dominicaine. Et je vous garantis, pour un banane qui fait notre pays, notre paysan haïtien, pour un banane qui fait notre paysan dominicain, il y a une différence. Le jour et la nuit. Bouillon ou boue. Deux bagailles nettement différentes. Et pourtant, agriculture haïtien li évalué à 1.5 milliards de dollars. Agriculture en République Dominicaine nan, yo évalué environ 7 à 8 milliards de dollars. La différence par année. 7 à 8 milliards de dollars et 1.5 milliards par la caille par nous. Qui est-ce qui la cause? Paysan yo, alors que paysan yo et à l'étranger dans l'autre pays yo, c'est agriculture industrialisée. Gen machine pour paysan yo et puis nous même la caille nous c'est roue c'est pète c'est corvée etc. cetera qu'a fait pas possible. Bon, on nous tendez avec moi Gaël Pressoir qui a ba nous plus détails sous façon l'état a tout fait paysan yo sous façon en pile moun choisi pas investir en Haïti et on pral connait exactement qui ça qui motive moun yo kounya pour yo pas investir en Haïti. On nous tendez ensemble. Yo et comme la gasse dans l'économie. Fais-moi inventer maintenant si possible différentes grandes entreprises en Haïti qui utilisent des matières premières haïtiennes ou qui ont dû utiliser des matières premières haïtiennes et qui ont une incidence positive d'utilisation de ça qui a gagné sur les agriculteurs, sur l'économie locale.
Bon, malheureusement, fait liste là de agro-industrie qui a utilisé matière première Haïti, elle coûte. Parce que y a un problème que nous avons aujourd'hui en Haïti, c'est que l'agriculture nous produit entre 1 et 1,5 milliard, plus proche de 1,5 milliard. Et importation manger, essentiellement, il y a à peu près de 1 milliard. Mais ça, nous importer, c'est des produits qui agro-transformés. Ça veut dire, nous pas importer du riz paille, nous importer du riz blanchi. Et c'est un produit qui est moins transformé. Après ça, ou importer sucre, ou venir importer l'huile, ou venir importer, et puis on commence à importer un paquet de produits qui sont très transformés. Nous avons importé un pile salami dominicain, aujourd'hui nous produisons localement, mais à partir de matières premières qui importent. Donc en Haïti, aujourd'hui, si on prend toute agro-industrie Haïti, il y a plus en termes de chiffre d'affaires que ça a gagné, par exemple, l'industrie textile. Souvent, il y a parlé de l'industrie textile comme une gros industrie Haïti. C'est pas, c'est vrai. Mais il y a un secteur industriel en Haïti qui est plus gros que textile, surtout ces dernières années, mais il y a tout secteur agro-industriel là qui a fait conflit, qui a fait boisson, qui a fait bière, qui a fait tabac, qui a fait chico, qui a fait spaghetti, qui a fait salami, qui a fait hot dog. Tout produit ça, yo produit essentiellement en dans pays d'Haïti, mais transformation qui fait dans pays d'Haïti, c'est vrai, il est bon, mais transformation ça fait avec des produits qui importés. Parce que toute agro-industrie ça, yo pas jamais construit aux chaînes d'approvisionnement locales. Et puis l'autre bagaille, c'est que le gouvernement, l'État haïtien, n'a jamais baillé encouragement, ou bien incitatif, ou bien contrainte pour que yo doit servir avec production locale. Donc souvent, on a parlé de... Et... Par contre, vous voulez commencer avec de ça. Clairer produit local. Mesdames Saint-Michel de la Talan, Mesdames Léogan, pour me garder clairin, et pour qu'on apprête à bac, pour parler dans plein Torbec, et plein de cailles, pour me garder ça, production tabac laïe et transformation et à jour des industries locales qui font bon, ça. Bon, alors nous, nos chances, c'est que l'industrie clairin, qui sont bons valets dans l'alcool consommé, dit local. Il fait par une quantité PME, petite et moyenne entreprise, quitte yo Souyo, yo Léogan, quitte yo Saint-Michel de la Talaye. Et au contraire, ça nous constate, c'est que, par exemple, alors parce que il y a l'autre région qui a diminué, mais Saint-Michel de la Talaye, c'est une région qui vient connaître au développement de industrie de production de clairin qui est exceptionnelle ces dernières années. C'est-à-dire que c'est une zone qui a développé industriellement pour plusieurs raisons. L'a développé parce que tu as des innovations technologiques qui permettent l'industrie clairin de développer. Ça veut dire, Saint-Michel, longtemps avant, tu as un produit clairin qui était fait avec sirocan. Jodia et Saint-Michel, essentiellement produit clairin nason. Ça veut dire, il est fait avec jucan directement. Donc, ça a accéléré le processus-là. Mais surtout, ça qui révolutionnait l'industrie clairin Saint-Michel, c'est introduction de moulins mobiles. Ça veut dire, il y a à peu près, sans doute un peu plus de 10 ans, et il y a un industriel Saint-Michel qui est les Dorchon, avec Philippe Mathieu, qui est à Bombier, et puis il a parlé de moulins mobiles. Et ni Oxfam Québec t'es financé premier moulin mobilio, et puis un propriétaire de Guidivé de Moulin t'es financé deux moulins mobiles. Jodia, on gagne des dizaines de moulins mobiles motorisés Saint-Michel, et on gagne des centaines de moulins mobiles à traction animale qui font innovation, qui créent Saint-Michel même. Technologiques qui permettent qu'il y ait un accroissement de surface de canne de 50% Saint-Michel, parce que zone qui était très reculée, qui était trop éloignée de route là, ou qui était trop éloignée de moulin, qu'on y a moulin à toute zone Saint-Michel, et au lieu d'essayer de poter canne dans la ville de Guildiv là,
c'est juste un directement qui vient joindre Guildivla avec une réduction considérable de volume, avec une réduction de poids. Donc ça, c'est deux technologies, deux innovations qui transformaient l'industrie Clairin Saint-Michel. Malheureusement, l'industrie Clairin Saint-Michel, il y a en face un paquet de produits importés. Donc, Haïtiens consommaient un pile whisky qui sortit juste dans le pays l'Inde. Et qui pas même whisky véritable de d'orge, c'était whisky qui fait avec base de maïs, qui fait avec maïs et contaminé par aflatoxine, qui pas grave, qui aflatoxine n'a pas passé dans l'alcool, mais c'est tout grain qui pas accepté pour consommation humaine en Inde, qui transforme en whisky bon marché, et c'est whisky bon marché ça y est, qui est en compétition avec l'industrie clairière. L'État haïtien manquait. Oui. Je m'interromps pour une seconde. Industrie Clairin, elle pesait combien en termes d'argent? Industrie Clairin, hein, son industrie, alors malheureusement, nous manquons des chiffres parce que l'État n'a pas contacté le même jeune taxé dans l'époque dictature François Duvalier, Jean-Claude Duvalier, côté nous taxé chaque et alambic. Et les SAIO ont l'idée de qui quantité Clairin était produit. Je dis à malheureusement, toute si industrie clairin sa yo pas payer taxes et qui veut dire et c'est peut-être une raison qui fait que l'État privilégié et l'État encouragé importation whisky bon marché qui sorti joue dans le pays même parce que lui-même il touche un petit taxe yo et même l'elle pas en pile et il presque encouragé importation et de rhum qui sorti en Dominicanie et il est encouragé et whisky qui sortit, et c'est un compétiteur. Mais son marché de plusieurs dizaines de millions de dollars, et il y a plusieurs régions, tant que Léogane et Saint-Michel, mais aussi, il faut mentionner Goumon, avec l'autre zone d'un pays à qui tonne. Bon, Mirbalet commençait à produire un pile canne pour Babanco. Moi, ouais, que Babanco qui manquait canne parce que Babanco a exporté et Babanco était très agressif dans remonter une industrie et locale. Il était, malgré que il y a des compagnies qui t'a importé au Rhum Dominicain. Il y a des compagnies qui a importé et whisky qui sortit l'Inde. Et ces deux et compétiteurs, ça, Rhum bon marché dominicain, et qui souvent fait à base de mélasse, qui fait avec, c'est tout ça, y'a pas voulu vendre la caillou, que y'a voulu la caillou. Et compagnie ça, y'a prend des parts de marché à l'industrie locale du clairin. Alors, y'a une compagnie qui fait rhum tout en Haïti, qui c'est Barbancourt, qui lui-même a dégagé, qui justement commencé à acheter à ton en plateau, qui renchérit coût de transport, y'a, mais malgré ça, y'a compétitif. Et ils ont réussi à reprendre en pile part de marché by compagnie qui était qu'on importait rhum et dominicain. Donc ça c'est un bon bagage. Donc il y a des compagnies locales tant que Barmanco avec toute cette industrie de clairin plateau central Cap Quimbé. Mais ça qui est important c'est que comme nous avons une industrie qui a produit alcool et même j'aime toujours dire tout le monde nous t'es qu'à produire à ton whisky parce que avec et grain, tant qu'on petit mi, tant qu'on maïs, nous t'es qu'à faire un whisky, qui est équivalent ou même meilleur que whisky a fait dans le pays même. Donc, pas de raison que nous importer alcool dans le pays ça. Nous avons des industries, quitte c'est Saint-Michel, quitte c'est Barbancourt, et nous avons l'autre tout, Brana a fait, et commencer à servir avec grain local, et y'a pas qu'on servir avec suffisamment, mais y'a un problème pour y'a mettre en place et chaîne d'approvisionnement, mais au moins il y a fait et tentative là pour que vous commencez à construire des chaînes d'approvisionnement locales pour vous faire Kinom, pour vous faire Malta. Et ça, c'est un bon bagage. Il faut nous encourager l'entreprise à commencer sans que l'État pas encouragé, sans que l'État pas pressionné pour vous commencer dans la production locale tout bon vrai, parce que la production locale dans l'agro-industrie, nous avons fait bien, mais nous avons importé toute Malte là qui sortit en Europe. Ou bien nous avons décidé de faire bad Malte, même j'ai avec un pays africain, à Pitini local. Même l'homme qui a fait Malte avec Pitini local. Ils ont commencé à faire, et ça c'est un bagage pour nous encourager. Dans le coup, c'est toujours dans la logique ça. Ça c'est un bagage pour nous encourager. Et ils ont un pile problème d'approvisionnement. Donc toute compagnie ça, qui a cherché, développé,
des chaînes d'approvisionnement locales, faut que l'État t'a coré. Ça veut dire l'État t'a supposé bambay ou j'arrête, l'État t'a supposé mettre en place des mesures protectionnistes pour que nous ka développer, parce que l'industrie ça yo, les yo acheté local, ça veut dire yo acheté dans main producteur nou yo. Et c'est pas alcool avec cigarette seulement, c'est dans toute agro-industrie, le ou couplé agro-industrie avec production locale, ou vin fait ou effet de démultiplication, c'est-à-dire multiplier création de richesse là. Et c'est ça qui manquait dans le pays d'Haïti. Nous avons quelques industries qui fait, mais malheureusement, yo manqué, pas bien suffisamment, mais surtout, drame, c'est que l'État pas protégé entreprise ça, yo. Même les nous compétitifs, même les nous compétitifs, ça ne veut pas dire nous pas gagner encouragement de l'État. Ouais. Capitalisme sauvage, surtout dans le produit tant qu'alcool, il n'est pas appliqué dans aucun pays. États-Unis protégé marché alcool. Europe protégé marché alcool. Pas qu'on est pour qu'Haïti besoin plus libéral que pays ça yo, pour que nous-mêmes nous libérer, nous avons ça nous voulons. Quid, c'est pas avenir, quid, c'est quid, local quid, que nous consommons. Professeur Pessoa, quid de tabac, par exemple, qui volume tabac local que comme il faut transformer, qui incidence bien sur planteur tabac, et où tu as parlé de cornflakes nous fait, quid de production maïa et qui volume de production maïa local là qui fait cornflakes qui fait en Haïti, par exemple. Okay. Donc, malheureusement, dans cornflakes, presque, il n'y a pas servi avec maïa local. Il n'y a pas servi avec maïa local pour plusieurs raisons. Une raison yo pas servi avec maïs local, c'est que ou pas gen chaîne d'approvisionnement. Ça veut dire usine cornflakes là pas gen grain monde ou grain moulin yo ka relé pour dire voyez 200 tonnes dans bon moins, voyez 500 tonnes bon moins. Ça veut dire couplage entre production et transformation n'est pas fait. Et même qui investit dans usine cornflakes là, n'est pas vle gen 200 man dans Sahara chaque matin qui parle fort, il faut contrôler qualité chaque et grémaï chaque manansara qui va le couper le corps parce qu'il faut le contrôler pour aflatoxine, il faut le contrôler pour humidité. Mais ça, il n'y a pas d'intérêt à acheter local. Parce que là, on a une industrie qui achète local, pour PPC, il faut l'acheter par camion. Ça veut dire, bon camion qui a venu, camion fait 15 tonnes, camion fait 20 tonnes, camion fait 30 tonnes, il est vidé, il a dit grain, on contrôle les grains sous volume camion. Mais ça, au fond, seul contrôle par camion. Ou pas qu'à acheter par sac. C'est-à-dire, pas qu'à une usine Conflex et puis on va pas acheter par sac. Et c'est le même bagage pour l'usine Chico, c'est le même bagage pour l'usine qui fait spaghetti. Tout bagage ça, nous avons qu'à faire avec maïs local, pitini local, et là, nous avons qu'à faire macaroni. Et spaghetti aussi, c'est difficile avec maïs pitini, mais et macaroni, nous avons qu'à faire avec maïs pitini, Conflex, nous avons qu'à faire avec maïs pitini. Et whisky, nous te café avec maïs pitini et arrivé. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'acheter produit ça. Mais là, ça, faut mettre en place une chaîne d'approvisionnement. Et chaîne d'approvisionnement, ça, je dis, il n'a pas existé. Et surtout, industriel, là, pas d'intérêt pour le faire. Parce que si moi-même, moi, industriel, et c'est moi-même seul qui décide de construire une chaîne d'approvisionnement locale, qui coûte cher? Et que l'État pas bail ou incitatif pour me faire. Et même pas pour faire, il est plus facile pour me aller au bout Miami et me dire, vous voyez 500 tonnes et maïs bon moins. Il est plus facile, il moins si fait mal. Et comme Américain ou bien Argentin subventionné maïs, il est plus facile pour moi. L'État haïtien te doué protéger producteurs nous, nous te doué bail industriel là, ça veut dire, et pour que obligé pour que du construit une chaîne d'approvisionnement local. Mais ça, toi, il va faire plus comme. Parce que de ça, il va faire comme dans Moulin Maïs. Il va faire comme dans Jibalvin, au lieu de venir au commerçant, qui a acheté maïs l'autre bord de l'eau simplement pour transformer, pour petite transformation. Mais ça, il va contrôler, il va gagner plus capital d'investissement. Tabac. Et même ça, me fait du maïs, c'est même bagaille sous tabac. Ça veut dire, longtemps avant, comme il faut, t'es qu'on achetait tabac local. Au contraire, t'es qu'on ancien candidat à la présidence, t'es qu'on travaille, et Charlito, t'es qu'on travaille dans l'industrie tabac. Mais ça, t'es qu'on développait.
et chaîne d'approvisionnement en tabac qui est sorti la Tibonite, qui est sorti dans le plateau, qui est sorti dans le sud, pour nous approvisionner usine tabac. Mais dans le début des années 80, nous venons de libéralisation, ça veut dire dans l'année Jean-Claudio, parce que tout le monde nous dit que c'est 87 l'obéil a commencé. Moi-même toujours fixé début l'obéil là entre 79 et 82. Ça veut dire, par contre, c'est parce que Jean-Claude est marié, et ça va être des millions avant. Avant, pas forcément millions, mais au moins nous t'es protégé à l'agriculture. Nous, avec dit qu'on dit capture qui était sanglante, qui était des défauts, et en pile défauts, parce que l'autre pour être dominicanité qui était à développer, nous-mêmes, nous pas à développer. Donc, même sous François Duvalier, nous pas à développer. Au contraire, PIB par habitant a décliné. Mais, sous début Jean-Claude, entre 71, 72 et 79, il y a un gros développement qui est fait en Haïti sous première année Jean-Claude. Mais, à partir de 80-81, c'est chute libre, d'ailleurs, qui parle. Mené à qui va le faire que Jean-Claude va le tomber. Et dans le fait, en 86, nous sommes retournés dans le même PIB par habitant, malgré hausse que nous avons faite en 72 et 79. En 86, nous sommes retournés dans le même niveau avec les Jean-Claude qui prend le pouvoir. C'est le gouvernement de technocrates qui a été dans le début année Jean-Claude, qui a été un vrai développement, y compris agro-industriel, tout le bagage vient mêler. Et dans le mariage, dans l'obéi, dans la corruption du début des années 80. Donc l'obéi haïtien n'est pas commencé après une phase de progression. Dans la fin des années 70, nous avons la chute libre a commencé à partir de 1980-1981. Et le ça, c'est une libéralisation, c'est-à-dire que même ça qui était exigé de l'industrie, d'agro-industrie pour qu'il y ait des chaînes d'approvisionnement locales, années 70, dans les années 80, c'est libéralisation, par contre, si c'est FMI, t'es bon, nous, bon, idée, ça, par contre, si c'est Manuel Jean-Claude, par contre, si c'est corruption généralisée, qu'a fait dans tout niveau, par contre, ça que t'es fait exactement, mais où il y a un changement de trajectoire à partir du début des années 80, qui fait que Haïti commençait chuter. Et nous pas jamais récupérer de début de chute ça, nous pas venir qu'on est pas très démocratique qui pas réussi démocratie, mais qui fait que on vient une libéralisation en outrance, il y a plusieurs étapes là-dedans, début des années 80 sous Jean-Claude et ou bien ministre de la tour 87-88 qui continue ouvert marché là, après ça on vient Aristide qui ouvert le plus, donc on a trois vagues de libéralisation et d'ouverture des marchés qui deviennent très préjudiciables et surtout en vain, et ministère du commerce et de l'industrie dans les années 70, c'est vraiment qu'on accompagne l'industrie à partir des années 80, mais surtout les années 90, et ministère du commerce et de l'industrie et surtout des finances tournait au ministère qui, quelque part, vient au ministère qui a baissé taxes pour tes amis, et ça veut dire et m'a baissé taxe pour Alençon, pour Mouru, m'a baissé taxe sur Duri, m'a baissé taxe sur attends, Duri et transformé, Duri blanchi. Donc il veut dire m'a créé des incitatifs contre l'articulation production agricole industrie. Et dans l'industrie tabac là, ils ont profité de ça parce que tabac est plus facile pour acheter l'autre bord de l'eau. Et donc je dis à industrie de tabac noir, même si vous faites cigarette locale, malheureusement, et plusieurs millions de dollars qui étaient allés vers l'agriculteur New York, eh bien, vous pouvez acheter tabac Virginia pour que vous transformez en Haïti pour nous fumer local, sans nous pas fumer local fruit, parce que nous n'avons qu'à profiter de l'industrie ça pour que nous développions une industrie du tabac. Et moi, je connais un producteur qui est 50 carottes et tout près dans le plateau, qui a exporté tabac pour faire des cigares de très haute qualité en République dominicaine. Non, pas vu, ce n'est pas possible. Nous avons produit de tabac de qualité, nous avons fait contrôle qualité, parce que nous connaissons que le monde qui n'a pas mis de faute et qu'on dit que il y a un problème de qualité sur le tabac ici. Ce n'est pas vrai. Mais qu'on a été plaigné tout que l'État n'a pas encouragé acheter tabac local, ça veut dire que si vous-même, vous n'avez pas acheté tabac local, mais que vous permettez de importer cigarettes,
n'est pas bon pour nous. Donc, qui voulait dire que si on négociation qui vous fait entre le secteur privé, l'État, producteur agricole, et si on bagaille que nous perdions en Haïti, ça veut dire que c'est une négociation collective qui vous fait, même dans notre industrie, on va négocier entre syndicats, propriétaires, l'État, en agriculture, en agro-industrie, on va négocier entre producteurs, industriels, l'État, et yon a défendu intérêt pas, mais intérêt collectif la vie et défendre à travers de négociations collectives. Quittez, pour dernier petit cause, nous débordons là, la première Patrick à 10, et merci pour vous dire que nous cassons pour nous prendre. Et le café, quid de cette filière, et peut-être après nous avons. Même importé café pour te torréfier, pour te vendre sur le marché. Quid de café? Alors, café, c'est un drame qui joint tout, et bon, ça c'est pas entièrement faute régime du Valia. Café a gagné un problème qui fait dans le début des années 80 avec l'arrivée d'une maladie qui est la rouille. C'est-à-dire, nous-mêmes, nous avons deux maladies qui vivent dans les années 80 sur café, c'est rouille avec scolite. Et là, on t'a dit que t'es qu'on manque de réactivité du ministère de l'Agriculture. Et même son agronome, t'es qu'on dit, non, Haïti, c'est typica, et Haïti, c'est arabica, typica, pas moyen typica. Ok, maintenant, pas moyen typica, nous assurez-nous du déclin de la productivité des cafés. Alors, ce que, ouais, pays, c'est un Jamaïque, il dit, oui, faut nous avoir qualité, mais il a développé une variété arabica, Mountain Blue, qui est résistant à couille. Travail ça, malheureusement, et ça c'est chercheur, tant qu'on qui doit faire. Ça veut dire qu'on va développer une variété de qualité, qui baille une excellente tasse de café, que on va vendre comme café de qualité, et je dis à Jamaïque, à exporter Mountain Blue, Arabica, café de montagne, et en quantité. Et Haïti passe ses choix, même Jean et Colombie Tefel, même Jean Jamaïque Tefel, même Jean Costa Rica Tefel, pour que yo te développé des variétés résistantes à la maladie ça et que yo et protéger marché. En Haïti, nous décidé que nous pas changer café, mais tout le monde dans ONG, tout le monde qui a voyagé l'autre bord de l'eau a porté quelques semences graines de café et puis a testé pour elle janvier la caille. Donc il voulait dire aujourd'hui en Haïti, nous avons un problème de qualité de café. C'est-à-dire nous avons un mélange de Katoura, Katimor et Mountain Blue, Typica, tout café a mélangé en Haïti. D'ailleurs, une étude qui a fait dans le cadre du projet PITAG avec Wesley Jeune et une équipe de l'Institut de recherche et de développement qui, justement, ont étudié en thèse dans Kiskeya qui a caractérisé la diversité génétique café que vous avez en Haïti. Pour finir, parce que là, vous avez un petit problème, en quelques secondes, pour nous interview, clairement, et si nous quittons la guilde qui nous tombe, nous quittons l'agro-industrie qui nous tombe, c'est qu'on s'y prie si nous avons qualité misère, ça, c'est qu'on s'y prie si nous avons insécurité alimentaire, nous problème de souveraineté alimentaire, nous avons boumé pour nous donner 20 dollars pour n'importe. Bref, nous avons vague de planifier, nous avons existence et subsistance pays depuis plusieurs décennies, si nous avons bien, M. Pessoa. Absolument. C'est-à-dire que Jodia, Haïti, nous décidait by vague, et c'est pas seulement dans l'agriculture et dans l'agro-industrie, c'est-à-dire que Haïti pas gain aucune planification, même jeune en République dominicaine ou gain pour Industria, ou gain pour Dominicana, qui c'est des agences de l'État qui a travaillé pour développer industrie nationale, agriculture nationale, et bien ça fait longtemps que nous pas gain ça nous-mêmes. Seul bagay n'a développé, c'est que n'a fait Haïtien sauver l'autre bord de l'eau pour le voyer et transférer l'argent. C'est seule économie pays à gagner, Jodia, qui fonctionnait et qui au contraire a développé. C'est transférer l'argent. Mais malheureusement, nous pas jamais vin riche et nous pas jamais vin au pays émergent à transférer l'argent. Pas un grand pays qui vient au pays émergent à transférer l'argent. Donc, moi, j'espère qu'un jour, n'a recommencé dans négociation collective ça pour que nous chita parler entre nous-mêmes haïtiens pour que nous voyons qui gens nous ca développer agriculture nous industrie nous et agro-industrie la donne pour que nous développer articulation entre agro-industrie et industrie et si ouais en République dominicaine je dis à agriculture nous pesait 1,7 milliard de dollars mais il pesait entre 7 et 8 milliards de dollars en République dominicaine.
agro-industrie dominicaine presque mené PIB agricole et agro-industriel presque à 16 milliards de dollars, li doublé. Je dis à Haïti, t'es qu'il ne va pas arriver dans le niveau dominicani, mais nous t'es qu'arriver à une production agricole de 4 milliards de dollars, et nous t'es qu'arriver à 4 milliards de dollars supplémentaires de transformation agro-industrielle. Bagay ça, c'est pas un bagay compliqué. Et si un bagay nous doit faire, li pral bon titan, li nous apprend nous 15 ans, li nous apprend nous 20 ans, 30 ans, mais si nous multiplier par 8 la création de richesses par le secteur agricole, laisse à tout l'autre secteur industriel, service, pour le développer dans le pays. Et c'est là pour nous aller. Moi-même, en tant que chercheur, c'est une mission, moi, bah, peut-être, moi, dans le pays d'Haïti, c'est pour que nous doubler ou bien tripler productivité agricole et doublement, triplement ça, pas fait sans couplage avec agro-industrie qui a doublé création de richesse. Moi, objectif, moi, c'est que nous produisons 4 à 5 à 6 milliards de dollars de production agricole et agro-industrielle dans le pays. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remé pays, et bien on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique, et l'ennemi dit mon éditorial, nous dit tout. Mon éditorial. Et bien sur mon éditorial, c'est espace analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf si le dit pour y faire vendredi, depuis le fait 2 heures, que chez Chanel par là, pour qu'à bien informé avec Yannick. Mon éditorial. Fait des bases.